Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, Nabila et Camara, depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, voilà, donc je reviens pour parler d'un autre thème sur la Guinée, un thème politique, bien entendu, chers compatriotes guinéens. Excusez-moi. Très bien. Alors, mon thème d'information, bien sûr, c'est l'inintelligence, en fait, du pouvoir guinéen. C'est le thème d'information, l'inintelligence du pouvoir guinéen, s'il faut autrement, des pouvoirs guinéens, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le thème étant, vous l'avez suivi, l'inintelligence du pouvoir guinéen, cela va s'articuler sur deux éléments principaux. C'est-à-dire que je vais donner deux éléments, n'est-ce pas? Deux éléments dans lesquels on pourrait noter, en fait, l'inintelligence ou des actes inintelligents du pouvoir guinéen. Alors, dans le premier, je parlerai, par exemple, je faisais ressortir ces actes inintelligents, et par exemple, à partir de ces manifestations d'hier. Je vais parler de ces manifestations d'hier et pourquoi, par rapport à ces manifestations, le pouvoir guinéen est inintelligent. Même de manière, je dirais, exagérée, cher compatriote guinéen. Et ensuite, un autre élément dans lequel, ou à partir duquel, je vais sortir également d'autres actes inintelligents. Cette fois-ci, c'est à propos, disons, de la durée de la transition guinéenne. Vous vous rappelez, le pouvoir, la transition, a parlé de 36 mois, donc 3 années de transition. Et là, il y a pas mal d'actes inintelligents, et je vais les souligner, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Je parlerai, bien sûr, vers la fin, toujours de ma position que vous connaissez, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette autre manière, effectivement, de retrouver la Guinée rationnelle à partir de l'argumentation de la force physique, chers compatriotes guinéens, les armes. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, je parle de l'intelligence, d'une intelligence du pouvoir guinéen. Alors, l'intelligence, voilà, je ne vous apprends absolument rien, vous le savez autant que moi. C'est une, je dirais, une prérogative, n'est-ce pas, humaine que nous avons. Utiliser notre cerveau, n'est-ce pas? Utiliser nos neurones, n'est-ce pas? Pour pouvoir résoudre des problèmes que nous avons. C'est très important. Un intelligent, par exemple, éviterait des efforts inutiles pour finalement, en fait, se trouver dans une situation donnée. Pour en fait, obtenir en fait, un fait donné. Éviter des efforts inutiles et aller tout droit au but. C'est un acte intelligent. On peut dire l'intelligence aussi, c'est cette utilisation rationnelle du cerveau. C'est vrai, rationnelle de notre cerveau, de notre mental, de nos neurones, hein, en essayant de s'adapter aux situations. N'est-ce pas? Alors là, quand je parle de l'utilisation rationnelle en fait, de notre cerveau, c'est qui, en fait, le contraire ici, en fait, qui s'oppose tout simplement à l'utilisation sensationnelle. Ou l'utilisation à sensation ou émotionnelle ou avec intuition, n'est-ce pas? Donc, rationnel, effectivement, utiliser son cerveau, par exemple, élaborer de la manière suivante, l'observation, j'observe le fait, n'est-ce pas? Je le juge, je raisonne. Comprenez? Donc, d'une manière générale, comme je viens de le dire, il est question d'éviter des efforts inutiles. Vous comprenez, pour atteindre son objectif, ou pour ne pas souffrir, c'est le contre-guillaume. C'est ça, en gros, en fait, de façon ramassée, l'intelligence. Alors, un inintelligent, là, vous comprenez, un inintelligent, alors, voilà, n'évite pas des efforts inutiles. Un travail qu'il est capable de faire, disons, en 10 minutes, vous comprenez, alors, il fera, par exemple, toute une journée. Et ce n'est pas tout. Il fera toute une journée, mais sans aboutir également au résultat escompté. Il faut 2 jours, 3 jours, 4 jours, et même de façon, c'est-à-dire, il n'y arrivera jamais. C'est l'inintelligent, cher compte de Guinée. Alors, vous l'avez compris, donc, en Guinée, il y a cette situation. Franchement, ça ne commence pas aujourd'hui, depuis toujours. Et nous sommes avec la transition, donc, l'actualité. Je vais donc parler de la transition de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant. On a Mamadi Doumbouya qui n'a pas, il n'a aucune formation, ça c'est vrai. Alors si vous n'avez aucune information et que vous faites entourer par des gens
et qui en fait en manque également, c'est vrai que le travail sera toujours, disons voilà, vous comprenez, insatisfaisant, ça c'est clair. Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, vous l'avez remarqué, hier il y avait des manifestations. Avant ces manifestations, il y a eu une demande de la part des organisateurs, le FNDC, c'est normal, c'est purement en fait de manière civilisée. Alors, nous allons manifester, alors voilà, il faut demander la permission. Nous sommes dans une société avec des lois, des règlements, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la demande est faite, mais c'est tout de suite refusé. Alors, il n'est pas dit que quand, en fait, des organisateurs demandent, un mouvement demande de manifester, ça c'est partout, hein, même aux États-Unis, dans les pays où la démocratie est très avancée, il peut arriver que le pouvoir décide de ne pas accepter, en fait, une manifestation, hein, pour des raisons, peut-être d'ordre public, etc., etc. Ou ne pas accepter pour un certain temps donné. Non, pour le moment, non, les manifestations, en fait, nous ne pouvons pas accepter. Hein? Peut-être dans quelques jours, ou le mois prochain, etc., oui, nous pouvons le faire. Ou le pouvoir peut refuser, par exemple, concernant cette fois-ci, en fait, question d'espace. Vous pouvez manifester, mais ici, non. Là, oui. Vous comprenez? Très bien. Donc, en Guinée, effectivement, ça peut se faire que le pouvoir dise « Non, nous ne sommes pas d'accord que vous manifestez. » N'est-ce pas? Mais ce qui est grave pour la Guinée, c'est que c'est toujours refusé. Les demandes sont toujours refusées. Le pouvoir ne veut pas entendre de manifestation. Et ce qui est grave, parce que là, on pourrait se demander « Mais pourquoi alors dans la Constitution, il est clairement manifesté à travers des articles ?» que le citoyen doit manifester pour se faire entendre. Si, surtout quand ce citoyen note que les choses ne se passent pas comme il le faut, par le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, et si les demandes sont toutes rejetées, alors vous comprenez, et ça, le citoyen ne peut pas accepter. On doit descendre dans la rue, défier en ce moment le pouvoir. Ça, c'est normal, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez remarqué hier, des manifestations qui devaient être purement, disons, une marche purement pacifique, c'est vrai? Pacifique. Alors, et aussi, encadrée par les forces de l'ordre, comme cela doit se faire. Franchement, il faut, même aux États-Unis, en Angleterre, partout, dans les grandes démocraties, quand il y a manifestation, les policiers sont là, c'est vrai, les forces de l'ordre, pour éviter, par exemple, que, bon voilà, qu'il y ait des mesures, n'est-ce pas, trop, en fait, d'enthousiasme, ça pourrait créer également, en fait, des tensions par-ci, par-là, ou tout simplement, en fait, des voyous pourraient se mêler, disons, profiter de la situation pour saccager par-ci, par-là, n'est-ce pas? Donc, il faut l'effort de l'ordre, chers compatriotes. Très bien. Excusez-moi. Très bien. Alors, mais voilà, hier, malheureusement, avec la demande du FNDC pour la marche pacifique d'hier, ça a été refusé. Alors, mais écoutez, on peut pas accepter, il faut descendre dans la rue. Parce que les demandes ont toujours été, en fait, refusées. Donc, sous prétexte que, bon, écoutez, manifestation, ça a toujours dégénéré en Guinée, etc., etc. Hein? Ce qui n'est pas convaincant, chers compatriotes guinéens. Alors, si vous l'avez remarqué, finalement, hier, même ce matin, ça continue, les tensions sont par-ci, par-là, les pneus ont été brûlés, les véhicules, quelques véhicules donc de la police brûlés, n'est-ce pas, saccagés. Alors, on parle pas mal de blessés, on parle des arrestations, une ville qu'on a créée hier totalement désemparée, n'est-ce pas? Pourtant, on pouvait éviter de telles situations. Franchement, si l'intelligence y était là, s'il y avait de l'intelligence, on pouvait éviter ça. Accepter une marche pacifique, n'est-ce pas? Alors, déployer les forces de l'ordre pour encadrer les manifestations. Et puis voilà, tranquillement. On dit, par la marche, ça dépendra du pouvoir. Ok, vous pouvez manifester, vous serez encadré. Mais bon, voilà, c'est par exemple de midi à 14h. Ça dépend. Ou de 9h à 12h. Ça dépend. Ou toute la journée, comme vous voulez. Le pouvoir, en accord avec les organisateurs, arrive effectivement à trouver des accords. Ça, c'est la manière civilisée sur le compte guinéen. N'est-ce pas? Cela n'a pas été fait. Alors, les gens sont descendus hier, les gens sont sortis, il y a eu de la pagaille. Alors, l'objectif des organisateurs, je pense que oui, d'une manière ou d'une autre, a été atteint, parce qu'il était question tout simplement de nous faire entendre. Ça a été fait. Tout le monde a su hier que Conakry, donc, ça ne l'est pas.
Et pourquoi? Parce qu'un étranger pourrait se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce s'est-il passé? Pourquoi à Conakry il y a eu telle manifestation? Pourquoi la fumée partout? On dira, oui, il y a eu des manifestations, des manifestants qui demandent à ce que le pouvoir, effectivement, accepte, n'est-ce pas, une transition rationnelle. Une transition qui accepte, effectivement, de tenir compte, disons, d'un processus, vous comprenez, un processus démocratique, que tout soit respecté comme il le faut. Vous comprenez? L'étranger qui, en fait, curieux, qui demanderait, on l'ira. Donc, c'est que veut dire par là que l'objectif du fait FNDC est atteint. N'est-ce pas ça comme tout le monde? Mais voilà. Ce que je ne comprends pas et qui est un acte inintelligent de la part du pouvoir, vous avez hier combien de policiers sont sortis, des militaires sont sortis, ils ont même fait appel à cette unité appelée Bata, n'est-ce pas? Ce sont les bérets rouges qui sont sortis. Disons, je peux dire, ce sont des forces de réserve. Donc, il y avait la police, il y avait les militaires, il y avait les gendarmes, il y avait donc ces bérets rouges. Tous ces gens-là sont sortis hier. Pour quadriller les routes, les carrefours, chercher par-ci, par-là, les camions qui projettent de l'or sur les manifestants. Un acte inintelligent. Parce que moi, je me dis, s'il vous plaît, vous avez tous ces militaires qui sont sortis, toutes ces unités qui sont sorties hier, n'est-ce pas, pour empêcher que les gens manifestent. Si, pourtant, le pouvoir pouvait utiliser toutes ces unités-là pour tout simplement encadrer les manifestants, encadrer la marche pacifique. Il y aurait même eu de l'ambiance positive entre les manifestants et les forces de l'ordre. On a vu ça dans beaucoup de pays. L'ambiance totale. On est d'accord, vous êtes là pour nous encadrer. On a vu même dans d'autres cas, pays où quand il y a manifestation, on a les policiers, les manifestants, vous comprenez, qui font la fête, qui dansent en même temps. On allait faire la même chose hier en Guinée. Franchement, la même chose. Ils ont déployé beaucoup d'unités hier, par-ci, par-là. Mais pourquoi ne pas utiliser ces unités-là pour encadrer la marche pacifique? Vous comprenez l'acte inintelligent du pouvoir guinéen? C'est cela. Et là, on a connu au temps d'Alpha Condé pendant 11 ans des actes inintelligents, inutiles. Franchement, inutiles. Ils disent que, alors nous empêchons les manifestations pour également garantir l'ordre public. Mais qu'est-ce que vous avez eu hier comme effet? L'effet contraire. Vous avez créé les désordres. C'est le pouvoir qui a créé les désordres hier dans Conakry. Un acte inintelligent, cher Contoguinien, en parlant de cette marche pacifique d'hier. Parce que jusque ce matin, ça continue encore dans certains quartiers à Conakry où la circulation est encore impossible. Où nous pouvons encore noter de façon sporadique des militaires dans certains, disons, quartiers de Conakry. Très bien. Alors, ça, c'était cet acte inintelligent de pouvoir par rapport donc, à la marche pacifique d'hier. Un autre cas où il y a cette manifestation également d'actes inintelligents de pouvoir guinéen. Effectivement, c'est à propos de, en fait, la durée de la transition. Vous l'avez remarqué, cher Compteur Guinéen, il y a quelques semaines, le pouvoir guinéen, alors, selon lui, effectivement, parlant, en fait, des forces de vie de la nation, ou parlant également, effectivement, d'un consensus où les citoyens, les forces de vie de la nation se seraient retrouvés, réfléchissant sur la durée de la transition. Alors, selon le pouvoir, il y a eu des tractations, vous comprenez, au niveau de ces assises nationales, il y a eu des propositions, et finalement, la conclusion, finalement, en fait, la date trouvée était de 3 années, 36 mois de transition, à partir des assises nationales. Et là, les 36 années où, en fait, ce texte a été retenu, communiqué au pouvoir exécutif. Vous l'avez suivi, cher Compteur Guinéen, je ne vous apprends absolument rien. Alors, c'est normal, comme on a vu au Burkina Faso, les assises nationales, il y a une proposition, ces propositions sont envoyées au chef de, en fait, au chef de la transition, le président de la transition, Mandi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, si vous l'avez remarqué, Mandi Doumbouya a réussi cette proposition sortie des assises nationales. L'affaire a été, en fait, annoncée à la télévision sur les ondes de la radio RTG, n'est-ce pas? Très bien. Et le chef de la transition, à son niveau, vous comprenez, parce qu'il n'a pas fait une, en fait, il ne peut pas valider en ce moment, il faut que la proposition passe au niveau donc du CNT, du Conseil national de transition. Alors, le chef de l'État, le chef de la transition a envoyé la proposition au niveau, en fait,
disons, du Conseil national de la transition, qui ont aussi, en fait, réfléchi là-dessus, n'est-ce pas? On peut même dire, ils ont voté. Ils ont voté. Ici, par exemple, il était dit en 36 mois ou 3 années et 3 mois, la proposition après les assises nationales, le président de la transition a envoyé cette proposition de 3 années et 3 mois donc au niveau de CNT. CNT, il y a eu des discussions, supposons comme ça, il y a des discussions et finalement des votes. On est arrivé, au lieu de 3 années et 3 mois, on est arrivé finalement à 36 mois, 3 années, n'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est fait et le CNT a fait son travail. Le test est fait. Renvoyé donc au président de la transition. Alors, la procédure doit continuer. Au président de la transition, effectivement, cette fois-ci, de valider, de promulguer la promulgation. Mais c'est ça, la procédure. Alors, si vous remarquez, depuis ça, combien de semaines maintenant, je peux dire moi, absolument rien n'est fait. Aucune publication de la part du pouvoir exécutif. La validation n'est pas encore faite, cher Comte Guinéen. Vous comprenez, c'est un acte inintelligent. C'est pas fini. Mais si vous le remarquez, même le porte-parole du gouvernement, il a été clair, après que, en fait, les conseils nationaux de transition donc, ont fait leur travail, vous comprenez. Alors, Ousmane Gawal Diallo disait, bon, écoutez, le test est voté au niveau du conseil national de transition, mais ne rentre pas encore en vigueur. Tant que la validation n'est pas encore faite, n'est-ce pas? Il dit que la validation, ou en fait le compte commencera, c'est après que, effectivement, Mamoudou Doumbouya aura effectivement décidé à son niveau. Cher Comte Guinéen. Très bien. Alors, et depuis, hein, depuis, absolument rien. La validation n'est pas faite, cher Comte Guinéen. Absolument rien. Et tout récemment, on attend Ousmane Gawal Diallo, le même Ousmane Gawal Diallo, dire, bon, écoutez, bon, les 36 années, les 36 mois, 3 années de transition qui a été, en fait, votée au nom du Conseil de la transition, est déjà en cours, que ça a commencé déjà. N'est-ce pas? C'est un acte inintelligent. Très bien, cher Comte Guinéen. Alors, voilà, vous l'avez compris. Et toujours au niveau de cette transition, on a entendu aussi hier, parce que après, disons, on a suivi la conférence de presse de Ambalo, le président guinéen, président de Guinée-Bissau, qui est aussi président en exercice de la CEDEAO, et il était de passage à Conakry. Et il a dit le jeudi que, bon, écoutez, qu'il était arrivé à Conakry, il s'est rencontré avec le pouvoir guinéen, et que il a dit très clairement qu'il est arrivé à convaincre le pouvoir guinéen en disant qu'il est 24 mois, donc 24 mois, disons, c'est ça la transition. Aucune transition ne peut dépasser 24 mois. Il est arrivé à convaincre, s'il vous plaît. Le mot convaincre, ça, je crois que beaucoup ne le comprennent pas. En fait, vous pouvez convaincre, vous pouvez me convaincre, ce n'est pas dire qu'on est d'accord. N'est-ce pas? J'ai un sujet, j'arrive à vous expliquer comme il le faut très clairement et que vous me compreniez. N'est-ce pas? Donc, je suis arrivé à vous convaincre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous. N'est-ce pas? Vous m'avez convaincu en me donnant l'explication qu'il faut. Donc, Oumaro, quand il est venu à Conakry, il est arrivé à convaincre les Guinéens qu'une transition ne peut pas dépasser 24 mois. Il est arrivé à convaincre. Il a raison. Ce ne suffit pas qu'il y ait certains accords. Parce qu'il dit, après, d'autres délégations viendront en Guinée, au Burkina, au Mali, pour effectivement passer à l'étape supérieure. Après, l'étape de la conviction. Cher Comte Guinéen. N'est-ce pas? Voilà, je ne vais pas durer, prendre beaucoup votre temps. Vous m'avez compris, cher Comte Guinéen. Alors, ces actes inintelligents de la part du pouvoir guinéen, avec ces actes, comment voulez-vous, effectivement, que la Guinée évolue? Avec ces actes inintelligents, comment voulez-vous que la Guinée se sépare totalement des erreurs du passé? Jamais, cher Comte Guinéen. N'est-ce pas? Très bien, pour terminer. Nabila Camara, depuis Bruxelles, cher Comte Guinéen, vous connaissez ma position. Nous avons les barbares au pouvoir. Ils ne peuvent absolument rien. Ils sont là pour la pagaille. Vous comprenez? Et c'est pourquoi moi je demande toujours aux soldats patriotes. Vous êtes dans les casernes. Vous êtes intelligents. Vous êtes intellectuels. Vous êtes patriotes. Il faut sortir de vos casernes et passer à la méthode la plus forte qui soit, à la Barry Maïnassara. Nabila Camara, depuis Bruxelles. Merci pour le coup de temps. Bonjour.